petits potes, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Adopt-Me. Donc, avant que la vidéo ne commence, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Davy Play Games si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je te laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, les amis, je vais vous donner des astuces sur l'événement Halloween d'Adopt-Me. Comment générer beaucoup plus d'argent, du coup. Comme vous le savez sans doute, Adopt-Me a dit sur leur compte Instagram ou Twitter, n'importe. Ils ont dit sur leur compte Instagram qu'au départ, en fait, tout simplement, les amis, depuis que la panne est arrivée sur Roblox, on a loupé des jours. On a loupé 3 jours exactement. Du coup, 3 jours sont écoulés. Et du coup, on a perdu des jours pour rien. On n'a pas pu récupérer des bonbons. Du coup, Adopt-Me ont fait un petit geste pour la communauté Roblox. En gros, au départ, on gagne 150 bonbons par mission. On gagne 150 bonbons. Et là, ils ont multiplié le nombre de bonbons qu'on gagne par mission. Donc, merci beaucoup, Adopt-Me. D'avoir fait ce geste pour votre communauté qui joue à votre jeu. Franchement, super geste de votre part. Du coup, les amis, nous allons commencer le premier qui est celui-ci. Attendez, nous allons tout de suite nous y rendre. Voilà. Ah, je vais me téléporter, je pense que ça va être mieux. Voilà. Je vais me téléporter, les amis. Là, je me téléporte. J'espère que ça va pas prendre autant de temps. Voilà, trop de temps non plus. Du coup, vous nagez ici. Après, vous allez avoir quelque chose par ici. Attendez. Voilà. Voilà, vous nagez. Et vous allez avoir plusieurs portes. Enfin, une porte, si on peut appeler ça une porte. Du coup, ici, vous avez la statue qui est juste ici, qui est JCJ. Enfin, R, je sais plus comment on le dit. Souvent, il répète ça, du coup, je retiens comment il s'appelle. Mais il me semble que c'est le créateur d'Adopt-Me. Enfin, oui, d'Adopt-Me. Du coup, les amis, vous allez dans le cercle qui se trouve ici. Voilà. Vous allez dans le cercle et nous allons commencer tout de suite la première mission. Donc voilà les amis, nous allons bientôt commencer la mission. Du coup, tenez-vous prêts, je vais vous donner tous les astuces à savoir sur Adopt-Me, enfin sur la mise à jour d'Adopt-Me. Donc les amis, quand vous voyez que tout le monde part, désolé pour les bugs et les bruitages que vous entendez derrière la vidéo les amis, je suis vraiment désolé. Du coup les amis, quand vous voyez que tout le monde part, vous pouvez rester dans le cercle. Ne vous inquiétez pas, les amis. Vous pouvez rester dans le cercle. Vous attendez que le compte à rebours d'une minute 35 se termine. Et normalement, vous allez obtenir vos bonbons en restant même dans le cercle sans rien faire. Vous allez juste pas obtenir, votre potion. Vous n'allez pas l'obtenir. Parce que c'est une potion qui vous donne le tourni, qui ne sert à rien du tout, qui reste là juste uniquement pour la mise à jour d'Adopt-Me Halloween, l'événement Halloween. Du coup, ça ne sert à rien. Du coup, autant rester dans le cercle et vous faites ça à chaque fois les amis. Par contre, faites attention que vous ne vous déconnectez pas tout seul parce que si vous ne jouez pas, pendant que l'émission se fasse tout seul, vous allez vous déconnecter tout seul. Et du coup, vous n'allez pas récupérer vos bonbons à temps, les amis. Du coup, faites bouger votre personnage de temps en temps pour récupérer un max de bonbons, les amis. Vous restez tout le temps dans le cercle. Et puis normalement, ça devrait fonctionner, les amis. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 3300 bonbons. Et quand je vais avoir 3500 bonbons, je ne suis pas encore arrivé, mais quand je vais avoir 3500 bonbons, je vais acheter, vous voyez, la moto qu'on...
la moto qu'on utilise pour faire la deuxième mission, mais je vais vous la présenter après cette mission-là, les amis. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir tous les astuces. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, les amis, j'ai eu mes bonbons. Du coup, là, je suis arrivé à 2473 bonbons. Comme vous pouvez le voir, les amis, je n'ai pas bougé du cercle. J'ai rien fait du tout. Je suis resté dans le cercle et j'ai quand même gagné mes bonbons. Du coup, vous pouvez faire ça vous aussi chez vous. Donc, c'est une super astuce. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà cette astuce avant. Simplement, si vous connaissez déjà cette astuce, dites-moi tout dans les commentaires, les amis. J'aimerais savoir beaucoup votre avis. Du coup, voilà. Et nous passons à la deuxième mission, les amis. Donc, à tout de suite. Les amis, voilà, j'appuie sur Yes. Enfin, je vais pas appuyer. Et du coup, là, ça va me téléporter directement à la mission, les amis. Nous allons commencer la mission dans quelques instants, les amis. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà. Et voilà, les amis. Nous allons poursuivre ce personnage que vous voyez juste devant. Et par contre, le truc, les amis, un peu compliqué, c'est qu'il faut éviter tous les fantômes que vous voyez sur la route. Donc voilà. Il faut éviter tous les fantômes sur la route. Du coup, voilà. Hop. Et désolé encore pour les lags de la vidéo, les amis. Désolé, franchement, désolé. Je peux pas faire mieux. J'ai pas un ordinateur extraordinaire non plus. Ah, puis je roule pas droit. Oh là là, c'est une vraie catastrophe, ma conduite, les amis. Qu'est-ce que tu fais au plein milieu de la route? Voilà, les amis. À quoi ça ressemble quand on se prend un fantôme? Du coup, voilà. Attends, hop. Alors, je suis pas très fort en conduite sur PC. Alors, sur téléphone, encore moins, les amis. Décidément. Voilà. Et voyez que le personnage commence à ralentir. Et dites-moi en commentaire, les amis, c'est quoi votre score dans le mini-jeu d'Adopt Me d'Halloween? Dites-moi, c'est quoi votre score? Moi, c'est 4000. Pour moi, c'est 4000. C'est mon score. Du coup, vous, c'est quoi votre meilleur score dans ce mini-game? Donc, dites-moi tout dans les commentaires, les amis. J'attends vos petits commentaires sous cette vidéo. Au fait, les amis, je vous redis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Parce que nous sommes déjà aux 1000. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, abonnez-vous, les amis. C'est gratuit. Donc, en profitez. Faut en profiter, c'est gratuit. Du coup. Ah, d'accord. Je me suis encore pris un fantôme, mais décidément, les amis. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour, toi? Ok. D'accord. Du coup, je continue la course, les amis. Pourquoi j'avance lentement comme ça? Ah, c'est bizarre. Ça y est. Il est énervé et il va disparaître, les amis. Et mon score sur ce mini-game pour aujourd'hui est de 2800 scores. Mais en réalité, les amis, j'ai fait 4000. J'ai été un peu plus loin de ce que demande le jeu. Du coup, je suis super content. Donc, je vous redis, les amis. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre score sur ce jeu? J'aimerais tout savoir. Dites-moi tout. Voilà. Et donc, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré le bruit qui vous a sûrement agacé derrière la vidéo, parce qu'on entend le moteur de mon ordinateur. Mais je ne sais pas faire autrement, les amis. J'ai pas de casque spécifique pour ça. J'ai toujours fait mes vidéos sur téléphone. Donc, je suis vraiment désolé pour vous. Si vous me dites que la vidéo n'est pas très agréable à écouter, je vous comprendrai bien évidemment, parce que je sais que vous êtes compréhensible. Je saurai que vous êtes compréhensible si vous me dites ça dans les commentaires. Donc, je suis encore vraiment désolé.
Du coup, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était Davy. Ciao.